Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le Festival International du Film de La Roche-sur-Yon. On est devant le ciel, un des lieux où certains films sont diffusés. On va s'amuser à aller interroger certaines personnes pour leur parler de ce festival. Alors vous venez ici pour le Festival International du Film ? Oui, tout à fait, c'est ça. Pendant une semaine, je suis là pour assister à tous les petits films. Et ça se passe bien ? Ça se passe très bien, c'est très appréciable, c'est bien organisé. Et puis on peut avoir accès à peu près à tous les films qui ne sont pas tout le temps complets, donc c'est sympa. Ah bah oui, mais je n'y ai pas assisté au festival. Non. Vous connaissez ? Oui, j'en ai entendu parler. J'ai des amis qui ont assisté parce que ce sont des accros du cinéma, voilà. Bonjour, bonjour. Obligé, vous, ouais. vous y êtes allé ? Non. Non. Ça vous intéresse pas ? Pas spécialement. Pas spécialement. Non. Et vous, monsieur ? Non. Pas plus que ça ? Vous avez forcément entendu parler ? Oui, bien sûr, oui. Vous avez regardé un peu la programmation ? Non. Non. Ça vous intéresse pas ? Non, pas du tout. Pas du tout, vous êtes allé au conservatoire ? Ah oui, c'est ça. Ouais. Bah, moi, je travaille pour le festival, donc j'ai vu beaucoup de films. Vous allez voir un film ? Non, pas tout de suite, l'inverse. Chercher des places complémentaires. En fait, on est venu pour les toilettes, juste. les films sont vraiment sympas, ils sont très divers et variés, bah oui, c'est la même chose. Et puis ils sont, j'ai pas d'autres mots. Et du coup, vous avez vu déjà beaucoup de films ? Non, pas beaucoup, mais j'en ai vu trois. Bah, j'ai vu le film de Costa Gavras lundi soir. Bon, bah, Costa Gavras, quoi, c'est un beau film. Je suis allée voir Chanson douce hier soir. Puis Karine Viard est très intéressante dans son intervention après. C'était intéressant, voilà. Hein. Et du coup, un troisième ? Et le troisième, qu'est-ce que je suis allée voir ? Je suis allée voir Jeune Juliette, qui était aussi un film complètement différent, mais vraiment très intéressant également. Là, sur ceux qui ont pu passer, un petit coup de cœur un... Ah, ça, c'est pas possible de répondre à cette question-là. Ah ben, disons que ben, ça dépend un petit peu. Coup de cœur, c'est difficile. J'ai bien aimé Jeune Juliette. J'ai vraiment bien aimé deux films, c'était Soupa Modo, mais c'était un film plutôt pour les enfants. Et j'ai beaucoup aimé Costa Gavras. Et Adieu in the Room. Tous les films, faut venir voir tous les films du festival. C'est vrai, qu'il y a une belle programmation. Une très belle programmation. Merci beaucoup.